Bonsoir tout le monde. Non, pourquoi bonsoir? Pas du tout. Pas bonsoir. Bonjour tout le monde, ici Léna. Je vais vous présenter la plateforme Netflix, je pense que tout le monde connaît, sauf si vous avez plus de 45 ans. Je vais aujourd'hui vous présenter mon top 5 de mes séries favorites du moment. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Alors, La Casa des Papels, c'est vraiment ma série coup de cœur du Léna. Quoi? Qu'est-ce que tu fous? Bah, je tourne ma prochaine vidéo YouTube. Oui, bah arrête de faire la star et viens voir ce qui se passe à la télé. Qu'est-ce qu'il y a? C'est clairement la plateforme de vidéos à la demande qui en propose le plus. Le catalogue a quadruplé de 2014 à 2018 pour proposer près de 4000 trucs à ma... Tu sais que j'ai gagné 100 ans. C'est bon. Je suis très contente que Netflix n'existe plus et j'espère que Netflix reviendra jamais. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sur Netflix. Dès qu'on veut sortir, non, je peux pas, il y a une nouvelle série qui est sortie sur Netflix. Plus personne ne sort, plus personne ne travaille. Vraiment, tout le monde est tout le temps sur Netflix. Il y a tout le temps des séries, des films à regarder. Et il n'y a plus d'interaction entre les gens. Mais ça va pas du tout. Je sais pas comment je vais faire. Quand il y a une nouvelle série qui sort, il faut que je sois directement aux aguets. Il faut que je sois sur Netflix. Franchement, qui ne regarde pas Netflix en 2019? Des réactions à chaud suite à l'annonce des dirigeants de Netflix, Reed Hastings et Ted Sarandos, faite il y a quelques heures. Reste à savoir ce que vont devenir les 139 millions d'abonnés. Et que va-t-il bouger pour ça? Attends, regarde. Chiffre d'affaires de 15 milliards de dollars. Merci Emma pour ce reportage. Nous vous le disions en début de JT et nous venons de l'apprendre, Netflix a bel et bien perdu l'ensemble de ses contenus et ce bug invraisemblable et imprévu a touché la plateforme en début de matinée et est en train de se poursuivre. La question qui est sur toutes les lèvres désormais est de savoir comment l'entreprise va réussir à récupérer ses abonnés et récupérer son contenu. C'est déjà d'une catastrophe sans précédent qui est avancée dans le milieu du streaming. Avant de rejoindre nos correspondants à Los Gatos, le siège social de l'entreprise, je vous propose désormais une rétrospective de Netflix pour comprendre comment l'entreprise est devenue indispensable et comment elle s'est imposée dans nos vies quotidiennes. Netflix, ce géant américain créé en 1997 par Reed Hastings et Mark Randolph s'est en quelques années imposé dans nos foyers. Au départ, le géant américain qui livrait et louait des DVD à domicile n'était pas destiné à vivre une telle révolution. L'entreprise, pionnière dans le secteur du streaming payant, participe à la mutation des méthodes de consommation et de production des contenus télévisés, de plus en plus tournée vers la délinéarisation et voit son titre en bourse plonger. Introduite en 2002 à la bourse de New York, en 20 ans, l'entreprise a connu une croissance fulgurante. Que cela soit au niveau géographique, s'installant tout d'abord en Amérique du Nord, puis en Europe, avant de s'étendre en 2016 à l'échelle mondiale, ou bien de l'augmentation exponentielle de ses abonnés, passant ainsi de 41 millions d'abonnés en 2013 pour enregistrer un nombre d'abonnés payants de 139 millions de personnes en 2018. Connue tout d'abord par ses séries, comme la célèbre House of Cards, elle propose par la suite des offres différentes en fonction de la localisation de ses abonnés. Pour cela, les goûts de ses abonnés sont passés au crible. En effet, Netflix va catégoriser précisément chaque contenu présent sur sa plateforme en utilisant 15 à 20 mots-clés. Elle proposera par la suite de puissants algorithmes au nombre de 6 qui permettent d'analyser les comportements et d'anticiper le choix de ses abonnés. On sait que dans 80% des cas, vous allez suivre ces recommandations. Donc, cela fonctionne pas mal. 80% de ce que les gens regardent sur Netflix viennent de l'algorithme. C'est une grande aubaine pour Netflix et c'est une part importante de ce que nous faisons. En France, le nombre d'abonnements a bondi de 30% en 5 ans. Et pour cause, la communication de la plateforme y est pour quelque chose. En effet, l'entreprise couvre tous les médias, lui permettant le plus souvent de communiquer sur son contenu original. Elle a su profiter des nombreuses tendances des réseaux sociaux pour se démarquer et continuer à attirer sa cible préférée, les 18-25 ans, qui produisent une publicité quasi gratuite pour Netflix. Ensuite, grâce à ses publicités et ses opérations de marketing, Netflix génère des réactions très enthousiastes de ses abonnés. En particulier grâce au teasing, cette technique particulière qui consiste à révéler une petite partie de la prochaine création de la plateforme. Le budget communication et marketing alloué représente 1,8 milliard de dollars en 2018. Une autre caractéristique de l'entreprise est la suppression d'obstacles au binge-watching. Il s'agit ici de dévorer une série ou un contenu le plus vite possible, et ce, dès le jour de la sortie en moins de 24 heures de préférence.
Netflix a alors inséré dans ses services une fonctionnalité qui permet de passer d'un épisode à un autre en moins de 30 secondes, en donnant la possibilité au spectateur de rester passif devant son écran et de continuer à regarder sa série préférée. De plus, l'entreprise met régulièrement à disposition de ses clients l'intégralité d'une saison en une seule fois, ce qui favorise la pratique du binge-watching. De nouveaux usages, de nouvelles pratiques, des fonctionnalités mobiles et changeantes, voici ce qui caractérise Netflix. Si en 2017 le taux de disponibilité de la plateforme était de 99,97% selon la statistique fournie à Variety par un cadre dirigeant des équipes de recherche, aujourd'hui, avec le bug annoncé, il n'en est plus rien. C'est ainsi 17% du trafic mondial qui est libéré, pourcentage pour lequel Netflix occupait une place considérable sur la bande passante mondiale. Aujourd'hui, ce sont donc les 7000 employés de Netflix qui se trouvent dans l'incompréhension la plus totale après l'annonce des dirigeants, et ce sont des millions d'abonnés qui ne pourront donc pas se retrouver devant leur plateforme favorite ce soir. Et voilà donc pour ce reportage complet sur Netflix. N'hésitez pas à réagir sur notre application France Info. Nous vous tiendrons bien entendu informés de ce bug qui demeure toujours incompréhensible par les équipes techniques de Netflix dans le cours de la journée. Amazon, Disney+, Hulu ou OCS, voici des plateformes qui doivent se réjouir de cette panne pour le moins invraisemblable. Hé, hey, mais je voulais voir la suite. C'est bon, on en a entendu là, non? T'as vu, c'est un truc de malade. Ouais. Ça veut dire comment on va faire? Moi, je peux pas. Moi, les jours, je vais pas en cours, je suis là. Je fais rien, je regarde la télé, je peux même pas regarder Netflix, je vais pas regarder la télé. En plus, il y a la saison des 8, enfin, je suis désolée, mais c'est pas possible. Ouais. Et puis attends, si moi Snapchat, Instagram, ça va deux minutes, quoi, c'est bon, au bout d'un moment. Non, mais n'importe quoi. Netflix qui marche plus, mais bien fait pour vous, les gars, vous avez pas voulu passer votre compte? Plus personne l'aura. Rien. Mais... tout le monde en parle. Les gars, je viens d'apprendre que Netflix marchait plus, mais on fait comment pour les soirées? Il y a que des stories sur ça. Allô, oh, incroyable. Netflix and chill, c'est où? Ouais, mais j'ai vu, mais même sur Twitter, tout le monde en parle. C'est abusé quand même tout ça, non? Ouais. C'est grave, hein? Bah ouais, je pense que Netflix and chill, c'est fini, là. Oh, dis pas ça, ils vont le remettre demain matin, ça se trouve. Quoi? Non, ça fait 2 heures que je regarde à la télé, sur tous les réseaux. Ils arrêtent pas d'en parler pendant que t'es en train de faire ta star, là. On va quand même pas regarder la télé le soir. Mais t'es folle ou quoi? Bon, allez, on va voir ce qui se passe sur YouTube. Ouais. Nous venons de l'apprendre à l'instant, c'est désormais au tour de YouTube de connaître une panne inconsidérable, une panne informatique qui a mis à zéro le compteur des youtubeurs et qui a supprimé l'ensemble de leur contenu. C'est... je sais plus quoi dire, c'est bizarre. L'ensemble de leur contenu. On la refait, coupe pas, coupe pas. T'as pas coupé? On la refait parce que c'était nul à chier. À commencer par la Casa des Papel. Non, mais c'est trop de la merde ça, non? Enfin, genre, ça va trop vite, je trouve.